Le MANA a organisé son grand marché agricole vendredi 13 décembre 2013 sur la place Félix Lord du bourg de Sainte-Marie et par là même a fêté son 13e anniversaire. Ensemble, avec vous, pour vous permettre de retrouver les bons produits frais du terroir et à une heure peu habituelle. Bénéficiant du soutien de Cap Nord, anciennement CCNM, pour cette action de promotion de nos produits agricoles. Il faut continuer à produire, il faut qu'on nous ait confiance, continuer à produire comme nous le faisons et puis toujours unis comme on l'est en ce moment, que les clients continuent à venir et que la production soit au rendez-vous surtout. On ne présente plus cette rencontre initiée entre producteurs et consommateurs qui échangent directement leurs produits. Comme à chaque fois, vous trouverez fruits et légumes, plantes et d'autres plants de produits maraîchers, propices à la saison et transformés pour l'occasion. En cette fin d'année, l'accent est tout particulièrement mis sur la groseille pays. Spécialité des Antilles pendant les fêtes de Noël, l'on récolte la groseille pour en faire de la confiture et du sirop sur de la glace pilée pour les plus petits, ou un délicieux moelleux qui se marie parfaitement avec le rhum ou le champagne, lequel, tout le monde sait, est à consommer avec modération. Je trouve que c'est une belle initiative et surtout avec les fêtes de Noël qui arrivent, donc c'est très bien et vu le monde qu'il y a, c'est tout le monde apprécie apparemment. Qu'il continue comme ça parce que c'est très bien, ça dynamise la commune. Et là, ce qui est agréable dans des manifestations comme ça, c'est que les gens de Martinique viennent, il n'y a pas que les Samaritains. Je pense qu'il faut les encourager aussi, surtout. Le MANA, créé en 2000, a pour objectif de réunir en particulier tous les agriculteurs du Nord-Atlantique autour d'activités mettant en valeur la production locale. Avec au programme de cet après-midi, show culinaire et dégustation, grand spectacle de danse traditionnelle et un grand chanté Noël. Une initiative qui porte ses fruits et favorise l'accès à une alimentation saine à coût abordable en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie, tout en encourageant les producteurs de chez nous.